Il est particulièrement... Salut, je m'appelle Raffaele et je vais vous présenter le AM100 Hardtail. Ce vélo all-mountain a été conçu pour apprendre la bonne technique de pilotage, notamment en descente. Pour cela, on a choisi un cadre en aluminium, très compact, avec un angle de direction à 66 degrés, donc assez ouvert, des bases courtes et compactes qui rendent le vélo joueur et maniable dans les descentes. On y a associé cette fourche RockShox Judy Silver, 130 mm de dépassement pour sa simplicité et sa fiabilité dans le temps. Elle est équipée avec un réglage de compression pour améliorer le rendement en montée. Sur la partie freinage, on a choisi des freins Shimano EPT 200, deux pistons, 180 mm de rotor à l'avant, 160 mm à l'arrière. On les a choisis pour la fiabilité dans le temps, en usage et surtout la simplicité d'entretien grâce à l'huile minérale que Shimano utilise dans ses systèmes. Pour la transmission, on a choisi un groupe complet Shimano Deor pour sa fiabilité et fluidité dans l'usage, 1 x 11 avec une cassette de 11-51 pour garantir la meilleure plage d'utilisation en montée comme en descente. Pour les trains roulants, des roues 27 pouces et demi sur la taille S et M pour le maximum de maniabilité et 29 pouces sur la taille LXL pour plus de rendement et de stabilité. On a choisi des jantes sans régler du Roc 30 pour le maximum de robustesse, des pneus Hutchinson Toro polyvalents hyper adaptés en première monte. Pour les éléments de position, on a choisi une tige de selle télescopique, élément super important pour le programme All Mountain, 120 mm pour la taille S et M et 150 mm de débattement pour la taille LXL. Pour le poste de pilotage, on a choisi un cintre de 760 mm associé à une potence de 35 mm pour le maximum de contrôle dans les descentes. À noter que nous avons intégré un support de GPS directement dans la potence. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vélo joueur et maniable, idéal pour se faire plaisir en descente et commencer la vraie pratique du all-mountain.